Petite vidéo aujourd'hui sur les balais et pour ceux que ça intéresse d'avoir des premiers rudiments pour pouvoir déjà swinguer et puis exploiter ça en chanson. Voilà, c'est parti. Alors, comment ça se passe? Déjà, nous allons parler de la tenue, hyper importante pour les balais. Pour les droitiers, la main droite se tient de la même façon que les baguettes, sans problème. Pour la main gauche, on peut le tenir aussi de la même façon. Moi, je l'ai plutôt appris en position tambour, à l'ancienne. Ce qui veut dire que je m'occupais donc de l'index et du majeur, et je le place au-dessus du balai. Le reste est en dessous. Ça doit donner ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la main gauche, pour les droitiers. Forcément l'inverse, pour les gauchers. Et après, donc la main gauche et la main droite ne vont pas faire du tout la même chose et ne vont pas aller dans le même sens tout le temps. Donc ça va demander un petit peu de patience aussi et forcément un petit peu d'indépendance. Alors, comment ça se passe? Voilà. Alors, on va déjà s'occuper de la main gauche avec cette position-là, donc je le rappelle, où on va, son but va être de frotter pour avoir ce petit côté vinyle qui tourne tout le temps. Donc, on va travailler de gauche à droite et le but, c'est de faire l'essuie-glace. Ça veut dire de traverser, puis de revenir, de traverser, puis de revenir. Il faut bien penser que les temps forts, les temps 1 et 3, vont être à gauche. Les temps faibles, 2 et 4, vont être à droite. Et il va falloir être le plus souple possible. Donc, le plus simple est d'essayer de penser à un petit ballon de rugby. Et d'essayer de tourner, monter pour les temps, 1 à 2, 2 à 3, on descend, puis on remonte, et on fait toujours ça. Voilà, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Si vous regardez bien ma main, elle s'ouvre et elle se ferme. Il y a aussi une explication à ça, c'est une question de son. Quand je vais vers les temps faibles, donc 2 et 4, je ferme mes doigts pour donner un petit accent, un petit frotté un peu plus fort. Quand je reviens, au contraire, j'ouvre. Voilà. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. En général, vous allez avoir aussi les filaments, les petites fibres des balais qui vont se prendre de temps en temps sur le cerclage, mais ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est pour la main gauche. Et pendant ce temps-là, la main droite, tenue en position baguette, normale, elle va faire le shabada classique que vous avez déjà vu au jazz. Et c'est l'inverse, ce qui va se passer. Les temps forts vont être 1 et 3 à droite, puisque à la main gauche, c'était ici. Et les temps faibles, 2 et 4, vont être ici, puisque avec la main gauche, c'était l'inverse. Le but, c'est qu'on ne retrouve pas les balais en même temps. Donc, ça va faire ça. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, shabada, 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 shabada. Voilà. Dès que vous avez ça, on essaie de mélanger les deux. On part toujours comme ça, jamais croisé, et on y va. Donc, sha, sha, bada, sha, bada, sha, bada, sha, bada. 1, 2 et 3, 4 et 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 1. Donc voilà, vous avez déjà les premières bases pour déjà commencer les balais. Donc si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à écrire en dessous, à laisser un commentaire et surtout aussi à vous abonner et à inciter d'autres aussi à vous abonner sur cette page. Merci, allez, bon courage à vous!